Dieu bénisse sa parole. Je vous invite ce matin à lire avec moi dans le prophète Ésaïe, le chapitre 43, à partir du verset 9. Et puis un deuxième test dans Philémon. Ésaïe 43, le verset 9. Nous pouvons lire avec respect la parole du Seigneur. Ésaïe, chapitre 43. D'abord, nous pouvons lire à partir du chapitre 41. Chapitre 41, à partir du verset 3. Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Amen. J'ai appelé d'une contrée lointaine. Chapitre 43, verset 4 d'abord. Parce que tu as du prix à mes yeux et que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Verset 9, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez et que vous croyez et compreniez que moi, que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Amen. Philémon. Le Nouveau Testament, l'épître de Paul à Philémon. Entre Hébreux et Tite. C'est un petit livre. Philémon, Tite, entre Tite et Hébreux. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières,
parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints est tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chairs, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te renvoie, lui, une partie de moi-même. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous asseoir. Dans le premier texte lu tout à l'heure, il s'agit du peuple de l'Alliance, de l'ancienne Alliance, Israël. Comment Dieu a mis en place un plan rédempteur pour ce peuple? Comment Dieu les a rachetés? Ils étaient vendus, esclaves. Dieu les a rachetés. Dieu les a sauvés par sa main puissante. Et cette histoire merveilleuse du peuple d'Israël est relatée par les prophètes. Dieu interpelle son peuple à placer en lui toute sa confiance. Dieu dit à son peuple qu'il a du prix à ses yeux, qu'il est honoré et que Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Et dit à Israël, ne crains rien, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches même dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Alléluia. Donc, Dieu est allé chercher Israël dans une contrée lointaine. Lointaine. Il a appelé Israël dans un lieu où personne ne pouvait intervenir. Où il n'y avait plus d'espoir, c'est là que Dieu intervient pour faire sortir son peuple. Et il dit ici, je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une contrée lointaine. Israël venait de loin. Comme une femme qui à terme accouche d'un enfant, elle est toute seule. L'enfant baigne dans le sang et la sage-femme vient pour s'occuper de cet enfant. C'est comme ça Dieu s'est occupé d'Israël. Dieu est venu le sortir d'une situation difficile. Des extrémités de la terre, Dieu l'a appelé d'une contrée lointaine. Alléluia. Dieu a mis en place un plan rédempteur pour ce peuple qu'il a choisi, mis à part pour lui, dans un contexte d'idolâtrie où tous les peuples de la terre étaient idolâtres. Dieu s'est choisi un homme. Au travers de cet homme, Dieu a préparé un peuple de vainqueurs. Alléluia. De même, l'apôtre Paul, dans Philémon,
ce jeune homme qui était dans la prison, appelé Onésime. L'apôtre Paul, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, l'apôtre Paul est descendu dans la prison. Le but pour lequel il est descendu de cette prison, bien qu'il soit un prisonnier, mais il avait une mission importante. Ce jeune homme avait une identité fausse. Il s'est trouvé en prison. Il a volé son patron et il s'est retrouvé en prison. Son nom est Onésime, qui veut dire utile. Mais dans la prison, il était inutile. L'apôtre Paul est allé le chercher et l'a rendu à son maître en lui disant: désormais, il te sera utile et à toi et à moi. Alléluia. Ce matin, vous qui me suivez, nous venons tous de loin. Je viens de loin. Tu viens de loin. Et Dieu veut aller le plus loin possible avec chacun d'entre nous. Voici le thème de ma prédication ce matin. Je viens de loin, tu viens de loin, mais Dieu, qui est venu nous chercher, nous tous, veut aller le plus loin possible avec chacun d'entre nous. Dieu a un plan. Dieu a des projets. Dieu descend dans mon histoire pour la réécrire. Dieu veut changer les pages entachées d'encre, les pages colorées. Dieu veut donner de nouvelles pages à ma vie. Dieu veut écrire ce matin une nouvelle histoire pleine de passion avec chacun d'entre nous. Une histoire merveilleuse. Une histoire nouvelle. Dieu connaît mon passé. Passé lointain comme passé proche. Chacun connaît son histoire. Depuis ta naissance jusqu'à ce jour, tout le chemin parcouru, Dieu en est conscient. Dieu connaît ton histoire, entachée, colorée. Mais Dieu veut réécrire une nouvelle histoire avec toi. En cette année 2021, Dieu veut remplacer dans ta vie tout ce qui a été entaché. Tout ce qui a été coloré, tout ce que toi-même tu as pu faire, même étant loin de Dieu. Voyez-vous, quand Dieu nous a destinés à un salut ou bien au salut, pour ne pas dire quand Dieu nous a prédestinés au salut, nous pouvons cheminer ensemble. Nous pouvons même être exposés à des ennemis plus puissants que nous. Mais ces ennemis-là sont impuissants devant le Tout-Puissant. Même quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, Dieu t'a préservé. Il est venu te chercher dans une contrée lointaine. Tu viens de loin. Je viens de loin. Mon histoire a été colorée, balafrée même. Quand j'étais encore loin du Seigneur, voyez-vous, même dans ta naissance biologique, tes aïeux, tes ancêtres n'ont pas planifié ce que Dieu a planifié pour toi. Avant que tu les laisses, avant même que tu ne connaisses la vie, tes arrière-parents étaient dans l'idolâtrie. Ils ne connaissaient pas le Seigneur.
Mais Dieu avait en vue un plan merveilleux pour toi. Toi qui es leur descendant. Mon histoire, j'aimerais parler de moi ce matin, avant de parler de chacun d'entre vous, pour que ces histoires-là, nos histoires se ressemblent. Mon grand-père ne connaissait pas Dieu. Il a fait la guerre de résistance contre l'occupant. Il n'était pas encore marié. Et puis un soir, il s'est levé. Il a pris son fusil. Parce que sur une montagne, les Blancs étaient là-bas. Ils attendaient le jour pour les attaquer. Lui, il a dévancé le jour. Et il est monté plus haut, ne sachant pas que là où il dépose son fusil, c'était sur les bagages, sinon sur la poitrine d'un Blanc. C'est la nuit, il ne voit pas. Il dépose son fusil pour s'apprêter pour attacher les Blancs. Et en prenant son fusil, il a pris la chemise du Blanc. Et ils ont crié. Dans la panique, il s'est jeté dans la falaise. C'est une montagne. Les gros arbres, c'est les gros arbres qui l'ont retenu. Les gens ont tiré en l'air, pensant la mort. Ils ont tiré dans la falaise. Mais Dieu l'a épargné. Dieu l'a épargné. Il est descendu de la falaise, les deux pieds broyés. Il est resté en brousse pendant 2 semaines, sans manger, sans boire. Il est devenu une loque. Les vers même sortaient de son corps. Et une femme est allée dans un champ, parce que c'était un homme, c'était un guerrier, et puis c'est un homme courageux. Il a réussi en faisant 4 pas. Les pieds sont broyés. Il ne pouvait plus marcher. Il est allé dans un lieu pour se protéger. Les vers maintenant sortent de son corps. On a vu que c'est un monstre là. On l'a découvert en brousse, pourri. Et nos parents ont des médicaments que l'on dit, mais c'est pas le type là. On ne le connaissait plus. Ils l'ont soigné, l'eau chaude. Ils ont soigné ses plaies. Jusqu'à ce qu'il guérisse. Jusqu'à ce qu'il guérisse. Voyez-vous, le plan de Dieu est lointain. Il n'était pas encore marié du tout. Mais c'est après cet acte-là que mon papa est né. Il pouvait rester dans le ventre sans être connu. Si le grand-père était mort, mais Dieu a préservé, parce que Dieu avait en vue un potentiel lointain. Alléluia. Un potentiel lointain. Mon père aussi venant a connu les travaux forcés. Et puis un jour, ils ont fait la route jusqu'à Boké. Ils ont fait la route avec leurs mains. Et puis, il ne savait pas qu'ils étaient sous une grosse pierre. Ils ont creusé en bas de la pierre. La pierre était suspendue. Maintenant, la pluie est venue, la pluie a suffi. Donc, ils se sont abrités sous cette pierre. Bien qu'il n'y avait plus d'appui, ils sont venus s'abriter. Tout l'équipe s'est abritée. Et puis, une voix lui dit. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Mais la voix lui dit. En le pressant, quitte en bas de cette pierre. Quitte en bas de cette pierre. 2 fois. 3 fois. Ah, tellement que la voix pressait, il s'est mis sous la pluie. Ses amis se moquaient de lui. Mais aussitôt qu'il quitta la pierre, il quitta sous la pierre. La pierre est tombée sur le reste.
Ils sont tous morts. Lui, il a échappé. Dieu avait en vue un plan merveilleux. Pour que je naisse. Vous m'entendez bien ce matin? Maintenant, Marie conçut dans son ventre, dans son sein, encore bébé, elle fait un accident. Elle tombe sur son ventre. Si elle était tombée sur la tête de bébé, le bébé était foutu. Mais elle est tombée sur la porte. Le bébé est vivant parce que le bébé est devant vous ce matin. Donc c'est pour vous dire. Tu viens de loin. Ton histoire est une histoire. Il faut imaginer comment Dieu t'a préservé. Comment Dieu a préservé tes pas. Comment Dieu a planifié pour que tu sois là ce matin. Pour que tu m'entendes ce matin. Dieu connaît ton histoire. Dieu est au contrôle de ton histoire. Il y a des amis qui ont été avec toi, mais qui ne sont plus. Dans ta famille, Dieu t'a préservé. Beaucoup sont partis. Et tu es là ce matin. Tu viens de loin. Je veux que tu prennes conscience de cet état. Je viens de loin. D'abord, dans mon histoire personnelle, sans Dieu. Mais Dieu veillait. Alléluia. Dieu connaissait déjà, avant même que tu te naisses, avant même que tu ne naisses, Dieu a déjà tout planifié pour t'accueillir. Ce matin, Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Si le passé était douloureux, si ton histoire était colorée par des échecs, par la fuite en avant, Dieu vient à ton secours. Dieu veut recréer une nouvelle histoire avec toi. Et en cette année 2021, sache que Dieu veut réellement te mettre dans de bonnes dispositions. Dieu veut que tu comprennes pourquoi tu es là. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu te cherche. Il veut aller aussi loin que possible avec toi. Puisque tu viens de loin, sur le plan spirituel, l'ennemi t'avait visé comme un but pour t'éteindre avant le temps. Dieu t'a préservé. Il a préservé tes ancêtres pour que tu naisses. Mais quand tu es né, il y a un ennemi qui a planifié ta destruction. Lui, quand Jésus est né, avec elle, il y a une personne qui gravitait autour de sa vie. C'était Hérode. Hérode voulait le tuer. Dieu a dit, prenez cet enfant. Amenez-le en Égypte, les parents adoptifs. Dieu a préservé la vie de cet enfant. Même s'il est parfait homme, parfait Dieu, mais il a suivi le même chemin que nous. Il est né d'une femme. Il a grandi. Mais déjà, comme Satan sait, c'est qu'il sera demain, il veut le libérer. Satan sait ce qu'il sera demain. Tu ne sais pas, mais le diable sait.
Le diable, il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas ton avenir. Mais il t'attend autour de toi, il gravite autour de toi. Quand Hérode a vu que, divinement averti, les mages ont déjoué son plan. L'enfant a été déporté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les enfants qui sont nés à cette époque, la même période. C'est ton histoire. Satan a balayé tout autour de toi, mais tu es vivant. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Tu es là ce matin. Considère que tu as des prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Ce jeune homme-là, Onésime, ne savait pas ce qu'il était. Son nom, c'est Uti. C'est sa vraie identité. Uti. Mais Satan l'a rendu inutile. Le diable nous rend inutile. Dans une fausse identité. Dans cette crise d'identité, c'est là que l'apôtre Paul descend dans la prison. Alléluia. On est en crise identitaire. Lui, l'utile, est devenu inutile en prison. Esclave, dénaturé, histoire colorée, balafrée. Voyez-vous, le diable, il a des décrets contre notre vie, des plans sataniques, des plans de tuerie, de destruction. Si le diable n'arrive pas à te détruire parce qu'il est puissant, comme Dieu a sa main sur toi, alléluia. Même loin du Seigneur, Satan est impuissant. Si Dieu a des plans merveilleux pour ta vie, si Dieu t'a prédestiné au salut, Satan ne peut rien faire. Et quand il vient, et quand il ne connaît pas ton identité, Paul, image de Jésus-Christ, il descend dans ta prison. Alléluia. Dieu envoie Jésus-Christ dans nos prisons, dans nos cachots, pour briser les chaînes de la servitude, pour te délier, pour te donner une vraie identité. D'inutile devient utile au Seigneur. Alléluia. Deviens maintenant utile. Ne te laisse pas manipuler par l'ennemi. Ta vie est précieuse. Ta vie a de la valeur. Dieu t'honore. Alléluia. Dieu te dit, tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Dieu m'aime. Une telle parole doit me booster à sortir de toute crise identitaire. Alléluia. Dieu te dit ce matin, tu as des prix à mes yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te distingue. Dieu t'honore. Dieu t'a choisi. Il t'a mis à part. Le fait que tu sois là, tu as échappé au coronavirus, à toutes les pandémies, à toutes ces maladies, les accidents mortels, depuis les années passées jusqu'à aujourd'hui. Quand il voyage, Satan dit, le voici. Il planifie l'accident pour te détruire. Mais Dieu planifie la délivrance toujours. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien ce matin. Ne crains rien ce matin. En cette année nouvelle, ne crains rien. Dieu veut que tu comprennes ta position en lui. Et si tu as perdu cette position, Dieu veut te repositionner. Amen. Dieu veut que tu comprennes ton droit d'enfant de Dieu. Quand tu t'es loin de lui, il t'a préservé. Malgré que tu es ennemi de Dieu, mais Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus
t'a cherché, il t'a trouvé. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait de toi son enfant. Comprends ce matin que ce même Dieu, quand tu étais loin de lui, il t'a préservé à cause de raison que maintenant tu es devenu ami de Dieu. Comment sera les impressions ou la pensée de Dieu à ton égard? Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'honore. Dieu te distingue. Dieu te considère. Comprends ce matin ta position en Christ. Repositionne-toi en Christ. Alléluia. Dieu te dit ce matin que tu es honoré. Tu as du prix à mes yeux. Le même cheminement. Tes amis ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient idolâtres. Tes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Toi-même, tu ne le connaissais pas. Satan voulait te détruire avant le temps. Mais tu es là ce matin, tu m'entends, tu me vois. Dieu a des projets pour ta vie. Alléluia. Dieu veut te rendre utile. Amen. Inutile que tu étais, Dieu veut te faire passer de la cendre, de la poussière, du fumier à la hauteur, au repositionnement dans ta vie. L'ennemi, lui, le sachant, veut te proposer des choses qui vont ternir l'image de Dieu en toi. Refuse les propositions sataniques. Amen. Si tu connais ton identité en Christ, ta position en Christ, c'est comme le fils d'un roi, le fils d'un homme de valeur. Vous n'allez pas voir le fils, même si il se cache pour faire certaines choses, mais vous n'allez pas le voir se mélanger à tout le monde. Le fils du président de la République, vous n'allez pas le voir se mélanger. Ça, jamais. Même si ta vie n'est pas correcte, mais il fera tout pour se distinguer des autres. Parce que son père est un homme considéré. Dieu, qui est ton père, il est considéré. Dieu a de la considération aussi pour toi, ton fils. Tu es un prince. Tu es une princesse. Prends tes habits de prince. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Que tout ce qui a vieilli dans ta vie disparaisse. Et que de nouvelles choses se fassent dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as de la valeur ce matin. Tu as du prix ce matin. Quand Dieu te voit sur la terre, il pose un regard sur toi. Voyez-vous, Dieu regarde tout le monde sur la terre. Il voit tout le monde. Mais ses regards sont sur ceux qui lui appartiennent. Dieu regarde tout le monde sur la terre. Dieu voit tout, mais son enfant. Dieu a un regard particulier sur ça. Quand il se déplace, les anges de Dieu se déplacent avec lui. Quand il se déplace, la main de Dieu est sur sa vie. Quand l'ennemi planifie pour la terre, Dieu planifie sa délivrance. Satan peut t'attaquer. Il peut tout manigancer. Mais toute arme forgée contre ta vie est sans effet. Toute langue qui se lève contre toi est condamnée. Quel est ton héritage? Alléluia! Ce matin, j'aimerais te dire, repositionne-toi en Christ. Repositionne-toi en Christ. En cette année nouvelle, ne cède pas aux propositions de l'ennemi. Depuis lors, même avant même, dans cette contrée lointaine que tu étais, Satan ne voulait pas que tu naisses. Il a tout fait pour ne pas que tu naisses. Et tu es né. Et quand tu es né, il a tout fait pour ne pas que tu connaisses.
connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Il voulait que tu restes dans tes péchés, que tu meurs, pour que tu sois son compagnon en enfer. Mais Dieu t'a délivré de l'enfer éternel. Alléluia. Dieu t'a donné la vie éternelle. J'aimerais te dire ce matin, le diable n'a aucune puissance contre toi. Même il était puissant même avant, que tu le laisses. S'il était puissant, il pourrait te détruire. Mais Dieu est tout puissant. Dieu t'a vu dans le secret. Il a dit à Jérémie, avant même que tu le laisses, je savais qui tu es. Alléluia. Dieu nous choisit avant et non après. Vous m'entendez bien ce matin? Vous tous êtes là ce matin, Dieu vous a choisi avant. Avant que vous ne naissiez. Dieu a tout planifié déjà. Il a tout préparé. Comme Adam est dans le jardin d'Éden. Quand l'ennemi a entaché la création de Dieu, il a coloré la création de Dieu. Le péché est entré dans le monde. C'était le chaos. C'était le bruit. Dieu récrée le monde. Alléluia. La Genèse, là, ce n'est pas la création, c'est la récréation. Le test de la Genèse, c'est un test de récréation. Où Dieu dit que la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Il y avait les ténèbres, il y avait l'obscurité. Est-ce que le plan de Dieu, la création première de Dieu, est-ce qu'il y a des ténèbres? Dieu a créé un monde parfait, mais Satan s'est introduit. Dans le plan de Dieu, il a créé les ténèbres. De même, Satan s'est introduit dans le plan de Dieu dans ta vie. Il a créé les ténèbres. Mais à la place des ténèbres, que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Alléluia. Que Dieu recrée ta vie. Que Dieu recrée ton histoire. Amen. Histoire entachée. Histoire colorée. Que Dieu la recrée. Que Dieu ouvre de nouvelles pages dans ta vie. Que de nouvelles pages s'ouvrent ce matin. En ce premier dimanche de l'an 2021, le livre est ouvert ce matin. Le livre de ta vie est ouvert ce matin. Ce livre est devant Dieu ce matin. Les pages colorées, entachées, imprimées d'or, Dieu les efface. Dieu donne de nouvelles pages à ton histoire. Dieu récrée une nouvelle histoire avec toi. Que la lumière soit dans ta vie. Que ta vie soit en abondance. Alléluia. Qu'elle produit. Qu'elle produit. Qu'elle soit féconde. Qu'elle soit une vie abondante. Et que tu sois dans un environnement, dans un cadre idéal. Alléluia. Avant que tu ne viennes, Dieu a pris le cadre. Le jardin d'Éden est le cadre où Dieu l'a placé. Alléluia. Que ce jardin d'Éden devienne pas un jardin seulement, mais que ton lieu où tu te trouves, partout où tu passes, que le jardin d'Éden te suive. Que la prospérité te suive. Que la bonne santé te suive. Que la longévité te suive. Alléluia. Même si toi tu penses que c'est fini, Dieu n'a pas fini avec toi. Ne dis pas, ça n'est pas que commencer. Même moi qui suis là ce matin, je dis au Seigneur, ça n'est pas que commencer. Alléluia. J'ai encore la vigueur et la force pour le servir. Pendant encore 30 à 40 années, je serai encore là. Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, quand Dieu a son intérêt en toi, il ne te lâche jamais. Amen. Mais pourquoi il va me lâcher? Il a son intérêt en moi. Que Dieu ait son intérêt en toi. Il ne te lâchera jamais. Alléluia. Que tes ennemis se lèvent, ils tomberont. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils finiront par sept chemins. Parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Ce matin, dis, ce n'est pas fini. Mon histoire n'est pas terminée. Mon histoire continue. Alléluia. Ça ne fait que commencer. 2021, c'est le début du commencement. Dieu veut aller aussi loin avec toi. Plus loin même avec toi. Il y a un jeune homme dans la Bible, il s'appelle Ézéchias.
Dieu avait son intérêt en lui. Dans Ésaïe 38, le prophète est venu lui dire, donne les ordres à ta maison. Tu mourras. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Prophète, il a prophétisé, mais ta prophétie là, je la refuse. Au nom de Jésus-Christ, ta prophétie est mauvaise augure. Je refuse cette prophétie. Je me tourne vers Dieu. Il a mon intérêt, il a son intérêt à moi. Alléluia. Pourquoi vas-tu me lâcher? Ésaïe a proclamé la vie en lui. Il a ordonné à la vie intensive d'être en lui. Il a demandé à Dieu. Mais moi, rien dans lui de souvenir. Ce que j'ai fait, ma vie, mon intégrité, ma loyauté, sois intègre, sois loyal. Dieu trouvera son intérêt en toi. Amen. Dieu se tourne vers Ézéchias et le prophète est venu lui annoncer cela. Voyez-vous, Dieu a envoyé un prophète, mais Dieu dit au prophète, là, retourne et dit à mon serviteur, il ne mourra pas. Que les prophéties négatives se retournent, pas contre toi, mais j'aimerais te dire, l'ennemi qui a manifesté ces choses-là, qu'il y ait un revirement de situation. Les décrets que Satan a arrêtés sont nuls et de nul effet. Les paroles négatives ne sont pas pour toi. Dieu a fait pour toi de grandes choses. Sois dans la joie. Alléluia. Retourne vers mon serviteur qui dit, il ne mourra pas. J'ajoute encore 15 années à sa vie. Que Dieu rajoute des années à ta vie. Même si les médecins t'ont dit, oui, voici le diagnostic, voici les actes, il n'y a plus d'espoir, mais avec le Seigneur, il y a de l'espoir. Celui qui t'a créé, les organes vitaux qui sont en toi, qui sont en terre, c'est Dieu qui a la possibilité de recréer ce matin. Que Dieu recrée tout en toi. Alléluia. Alléluia. Que tes organes vitaux ressuscitent. Tout ce qui est à terre par la mort, touché par la mort, retrouve la puissance de la résurrection en toi. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été touché par l'ennemi dans ta vie. Tout ce que Satan a touché dans ta vie. Où la main de Satan est passée. Pour te mettre dans une situation anormale. Ce matin, retrouve la vie intensive. Retrouve la vie intensive interne. Retourne la vie intensive. Alléluia. Que la puissance du ressuscité te touche ce matin. Que tout ce qui est mortel en toi soit touché par la puissance du Saint-Esprit et retourne la vie. Alléluia. Dieu a ton intérêt en toi. Est-ce que tu le sais ce matin? Je vais te dire que Dieu trouve son intérêt en toi. Quand Dieu te calcule, personne ne peut te sous-estimer. Personne ne peut t'atteindre par ses calculs, par ses plans. Plus on fera des plans contre ta vie, plus ces plans, comme Joseph, on l'a entendu, ces plans, Dieu ne va pas les empêcher, mais ces plans vont contribuer à ton élévation. Alléluia! Alléluia! Ne souhaite même pas la mort de tes ennemis. Qu'ils vivent et qu'ils voient ton élévation. Ceux qui se moquent de toi, qu'ils vivent. Parce que s'ils meurent, tu n'as rien gagné. Pourquoi t'as dit, il n'a pas mourir? Non, il n'a pas vivre pour te voir de la gloire. Alléluia. 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 Ce matin, Dieu te dit, tu viens de loin. Je veux aller aussi loin que possible avec toi. Ton histoire est recréée ce matin. De nouvelles pages sont posées dans ta vie. Une nouvelle histoire commence en 2021. C'est un nouveau départ. C'est un nouvel commencement. Ou bien un nouveau commencement. Tu as quel âge ce matin? Ce matin, Dieu va ajouter. Alléluia. Et quand Dieu, il est avec toi, il te rajeunit. Il te rajeunit.
Parce que le Saint-Esprit est rajeuni. La présence de lui déjà rajeuni. Vous m'avez dit, je suis maintenant vieux. Et non, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer avec Dieu. Ça ne fait que commencer. Alléluia. L'avenir est devant toi. Le meilleur est devant toi. Ce que tu as vécu hier, dans le passé, lointain ou proche, ce n'est rien par rapport à ce que tu vas vivre dans l'avenir. Les bénédictions que tu as eues hier ne sont rien par rapport aux bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. Le meilleur est toujours devant. Ton canard est devant. Refuse de mourir au désert de ses peurs. J'entrerai à Canaan. Je vivrai à Canaan. Je vivrai la vie abondante, pleine. Alléluia. C'est là le but de Dieu, le plan de Dieu. Quand Dieu te cherche, quand il te fait sortir de toutes ces prisons, il va te rendre utile. À ta famille d'abord. À ta communauté. À la société. Dieu est un Dieu d'avenir. Alléluia. Maintenant, le point suivant. Si tu sais ces choses et que tu te repositionnes, ton degré d'amour et son expression seront fonction de la considération du lieu où Dieu t'a sorti. Regardez cette femme dans Luc chapitre 7. On l'appelle la femme pécheresse. Simon, ce pharisien, invite Jésus. Pour lui, sans aucune considération du Seigneur, il est invité, sans prendre même des dispositions d'accueil. Il dit à Jésus, viens manger chez moi. Ça, c'est pour le banaliser. C'est pour se moquer de lui, comme tous les pharisiens. Mais dans sa maison, où Jésus était assis, cette femme pécheresse est venue, elle a cassé ce parfum qui coûte des millions de francs et elle a déversé sur le Seigneur Jésus. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire, c'est son butin pour l'avenir. Mais ce butin, parce que elle sait qu'elle vient de loin, alléluia. Et c'est où Dieu l'a sorti, où Jésus l'a sorti. Elle verse ce qu'il y a de la valeur sur le Seigneur Jésus. Les indignés se lèvent. Même Simon qui l'a invité, il dit, oh, si l'homme était un prophète, elle laisse savoir quelle femme de touche. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Elle lave ses pieds de ses larmes. Parce qu'elle sait où elle est. Ton degré d'amour et son expression envers le Seigneur dépend de la considération que tu as du lieu où tu as sorti. Amen. Vous m'entendez ce matin? Amen. Jésus dit à Simon, deux personnes devaient de l'argent. Et puis, comme ils n'avaient pas les moyens pour payer leurs dettes, on leur a remis leurs dettes. Mais il y a un qui devait des millions, il ne pouvait pas payer, et il y a un qui devait des biens. Entre les deux là, qui sera reconnaissant le plus? C'est celui à qui on a remis beaucoup. Dieu t'a remis beaucoup. Amen. Dieu m'a remis beaucoup. Amen. Satan m'avait utilisé dans le passé comme un instrument de défaite, d'échec. Mais Dieu peut m'utiliser comme un instrument de succès, de bénédiction. Alléluia. Ce Dieu-là, il veut. Tu m'attends ce matin? Amen. Dieu veut que tu l'aimes. Si tu considères le lieu où tu as sorti, ton amour pour lui sera profond. Amen. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Quand tu aimes, parce que la victoire c'est dans l'amour. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce les épreuves?
est-ce la signation pour que je dise, ah non, non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que ce soit l'épreuve, que ce soit la circonstance, même le manque, mais dans toutes ces choses, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Plus tu aimes le Seigneur, plus tu vibres dans la victoire. Le secret de la victoire, c'est dans l'amour. Vous m'entendez ce matin? Le secret de ta victoire sur les propositions sataniques, parce qu'il sait que tu viens de loin, il veut te ramener à la fin de départ. Parce qu'il retourne, il peut briser ton plan en route. Parce que quand tu as échappé à Satan, reste entre les mains de Dieu. Ne retourne pas en arrière. Il n'y a rien là-bas. Il ne faut pas être comme les Israélites quand ça chauffait au désert. Vous dites, mais Moïse, tu nous as trompés. Tu nous as envoyé des ambulants. Nous allons mourir ici de faim. Nous et nos enfants. Même les géants qui sont devant nous ne sont plus. Ils sont puissants que nous. Nous étions en Égypte. Nous mangeons des concombres. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est le fouet des Égyptiens. Vaut mieux souffrir en obéissant à Dieu que de souffrir en obéissant au diable. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Vaut mieux souffrir en étant dans la volonté de Dieu que de souffrir hors de sa volonté. Même dans ta souffrance, Dieu est présent. Amen. Aime le Seigneur. Cette année 2021, que l'amour de Dieu se remette dans ton cœur. Dit comme Paul dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31 au 30, verset 39, il dit vraiment, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui nous vaincra? Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui te vaincra? Les gens peuvent être contre toi, ne te vaincront pas. On pourrait être contre toi, mais on ne te vaincra jamais. On pourra faire tout pour t'arrêter dans ton évolution, mais ils vont contribuer à ton élévation. Alléluia. Parce qu'ils feront tout pour t'arrêter dans ton élévation. Or, ils vont contribuer à ton élévation. C'est ça. Donc, aime tes ennemis. Quand tu aimes Dieu, aime tout le monde. N'aie pas d'ennemis. Parce que ceux qui t'appellent ennemis là sont des instruments entre les mains de Dieu que Dieu utilise. Que Dieu nous laisse. Amen. Ton degré d'amour et son expression seront fonction de la considération que tu as du lieu où tu es la sortie. Tu m'entends bien ce matin? Amen. Cette femme là, elle a démontré plus d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Simon l'a invité. Judas était là. Lui, il n'aime pas le Seigneur. Il veut le vendre. Lui, son plan, c'est un plan satanique. Pour lui, il est trésorier de Jésus-Christ. Il est voleur. Il vole dans la bourse. Donc, il a trouvé un poste budgétaire pour s'enrichir. Comme tout trésorier. Comme tout ce qui s'occupe des finances. Pas dans les villes forcément, mais dans les sociétés. Ils font des surpatinations. Ils retiennent. Ce n'est pas les salaires qu'ils utilisent. Il dit, on a fait tant. On a fait tant. Ils n'ont rien fait et ils retournent l'argent dans leur caisse. Dans leur poche. Judas, le voleur. Combien de voleurs à Paul Blanc et notre société aujourd'hui qui ont de la considération, l'argent du contribuable qu'ils volent. Et ils se vendent pour cela. Judas n'aime pas le Seigneur. Judas n'aime pas le développement. Judas n'aime pas ce qui apporte la vie.
Judas avait un plan. Et ce plan a été découvert à cette scène. La dernière scène. Jésus a dit, celui qui met la main avec moi dans ce plat va contribuer avec mes ennemis. Judas, au lieu de dire Seigneur, c'est moi, viens à mon secours, il a fait de prendre le pain dans sa bouche. Et dès que le diable a pris possession de sa vie, le plan qu'il a jeté depuis longtemps s'est mis à jour. Que Dieu nous aide ce matin. Ne sois pas quelqu'un qui marche avec nous et qui n'est pas avec nous. Dis Amen. Ne sois pas, ne fais pas semblant. Tu dis ce que tu n'es pas d'accord, dis-le ouvertement. Que d'être hypocrite. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Il parle derrière. C'est les peureux qui parlent derrière. Et qui ne peuvent pas parler devant. Qui font semblant de marcher. Ils veulent même que ça retarde. Que ça retarde, ils sont contents. Mais ce matin, Dieu veut que tu l'aimes. Que tu aimes son œuvre. Exprime-le. L'amour s'exprime. On m'a dit, je l'ai dans mon cœur. Non. Même si tu aimes de tout ton cœur, le Seigneur, de toute ta pensée, mais la force que tu as, démontre-la dans les actes que tu poses. Quel acte tu poses dans la maison de Dieu? Quel acte tu poses aujourd'hui? Qui sera l'expression de ton amour pour le Seigneur? C'est pas à nous qu'on donne au Seigneur. C'est parce qu'on l'aime qu'on est en communion avec lui. C'est parce qu'on l'aime qu'on a une vie de prière intensive. C'est parce qu'on aime le Seigneur que rien ne peut nous arracher de sa main. Amen. Si tu aimes Dieu, rien ne peut t'arracher de la main du Seigneur. Ce n'est pas les tribulations, les angoisses, la persécution, le manque, les difficultés qui peuvent t'éloigner de la maison de Dieu. Demeure malgré, envers et contre tout dans la présence de Dieu et dans sa maison. Alléluia. Demeure. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, mais aussi de toute ta force. Pose des actes constructifs dans la maison de Dieu. Quand les gens donnent au Seigneur, ne te plains pas. Si toi tu n'as rien à donner, tais-toi. Judas, tais-toi. Il ne faut pas attaquer ceux qui donnent au Seigneur. Vous avez des moyens passés contre elle. Parce qu'ils donnent, ils aiment le Seigneur. Donc on ne t'a pas forcé. On dit, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que de même cela? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, démontre ton amour maintenant. Ce matin, démontre ton amour avec le Seigneur. Pose des actes qui construisent la maison de Dieu. Amen. Ne sois pas de ceux qui se réjouissent quand ça retarde, quand c'est bloqué. Qui disent non, tu n'es pas venu ici comme spectateur, comme supporteur. Deviens un acteur, descends dans l'arène avec nous, combat avec nous. Alléluia. Alléluia. Ce matin, démontre que Dieu t'a fait sortir d'un lieu lointain. Beaucoup sont partis, tu es là. Ton histoire continue. Pose des actes. Inscris-toi dans le livre de souvenirs de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, Dieu, il peut te voir sortir d'un lieu. Il t'observe. Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu démontres ton amour pour le Seigneur? Donne à Dieu, il y en a qui donnent, ils sont fâchés. Il donne en étant fâché. On nous fatigue maintenant. Il y a trop de motivation maintenant. Il y a trop de soucis. La seule qui murmure, qui parle derrière. C'est des Judas. Il n'aime pas le Seigneur. La maison, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Il n'y a pas le nom d'un homme qui est sur cette maison. C'est la maison de l'Éternel. Aime cette maison. Donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Est-ce qu'il doit donner le souvenir de Dieu? Pour que quand tu as dans les difficultés, et voyez-vous, quand Dieu, quand tu t'occupes de ses besoins, Dieu a des besoins. Est-ce que vous le savez? Dieu a des besoins. Et bien, vous dites, Dieu a des problèmes. Vous voulez toujours vous déchargez de tous vos problèmes. Mais lui aussi, mais c'est déjà sur toi. Il a des problèmes. Il a des besoins. Il sait ce qu'il va résoudre ses besoins. Il va résoudre, il va répondre. C'est celui qui l'aime qui répond. Mais ceux qui ne l'aiment pas croisent les bras. Ils attendent. Ils sont attentistes. Ils attendent toujours. Ils sont là, ils observent. Ils sont des supporters, des spectateurs dans l'œuvre de Dieu. Ils observent. Ils aiment se moquer. Quand ça ne va pas, c'est qui parle à distance. Vous dites, voilà, mais qu'est-ce que vous faites? Vous qui parlez à distance. Vous qui voyez les images. Qu'est-ce que vous faites pour nous permettre de transmettre la parole de Dieu, de la communiquer? Ce n'est pas seulement critiquer, observer, souligner. Les souligneurs, les critiqueurs sont des Judas. Vous m'entendez bien ce matin? Amen. La femme là, son exemple pour lire ça. Et regardez bien qu'est-ce que Luc chapitre 7, Luc chapitre 8. Marie de Magdala est citée dans le livre, dans Luc chapitre 8, les femmes qui assistaient à Jésus-Christ de leur bien. Vous êtes des alliés. Mais assistez l'œuvre de Dieu de manière continuelle. Ce n'est pas un acte sporadique que Dieu vous aide ce matin. Alléluia. Dieu veut des gens et Dieu veut des femmes, des hommes qui assistent Dieu de leur bien. Qui demande leur amour pour le Seigneur. Qui donne au-delà. Ce n'est pas donner rien au Seigneur. Il y en a qui sont habitués à offrande, à faire offrande et jetons. Ça doit changer en 2021. Offrande table, blessing time. Alléluia. Maintenant là, on va voir qui donne au Seigneur. Les temps d'offrande sont des temps de bénédiction qui descendent du ciel. Mais tu ne donnes rien au Seigneur. Tu donnes une miette. Mais il ne répond pas des miettes. Dieu répond en fonction de ce que tu lui donnes. Si tu donnes paix, tu auras paix. Mais si tu donnes abondamment, tu auras abondamment. Alléluia. Si toi tu sèmes tellement, pas d'arachide, macaroni, que Dieu vous aime. Tu vas te compter macaroni, pas d'arachide. Si tu veux compter l'argent, donne l'argent au Seigneur. Dis amen. Amen. Si tu veux compter les millions, donne au Seigneur. Jette ton pain à la suite des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Tu ne sais pas quelle semence peut me dire. Il dit pas, c'est trop de rivière. Quand on dit donne au Seigneur, j'avais un chrétien, quand j'étais encore dans mon ministère, premier, au début de mon ministère, quand il vient donner offrande, je suis assis et puis me regarde. Et puis quand il sort, il vient, il me regarde, il dit, pasteur, il a vu. Il reste là. Le pasteur, il a vu. Il y en a qui pensent quand il dort là, son pasteur, il dort. Il y en a quand ils sont passés, ils ne veulent plus leur vie. Ils vont voir comment il va vivre. Comme si tu avais une seule poche. Dieu n'a pas une seule poche. Dis amen. Amen. Et lis là. Même quand on peut le nourrir. Donc ne pensez pas que c'est. Parce que l'homme là, quand il prêche là, sa parole là, c'est pas ça. Donc je ne donne pas. C'est à Dieu qui donne, hein. Fais comme cette femme là. Elle a donné ce qui avait la valeur pour l'œuvre de Dieu. Elle a embaumé le corps du Seigneur avant sa sépulture. Elle a posé un acte fondateur et l'évangile en parle. On parle, je l'ai dit, on parlera de cette femme. Partout où l'évangile sera prêché, on dira partout ce que cette femme-là a fait. Que dans le lieu de souvenir de Dieu, on dit voici ce que ce homme-là a fait. On dit écrit ton nom sur ta enveloppe, quand tu bats ton nom. Comment se souvenir de toi? Dans nos prières. On dit donne le Seigneur, donne les miettes. Tout le temps, c'est les miettes. Tu es habitué aux miettes. Depuis que ce sang est devenu billet, c'est fini. C'est fini. C'est ce sang qui va remplir.
Il y en a qui n'ont jamais donné un délai de 500 francs. 1000 francs. Dans ces jours-là, que ton offrande dépasse au moins 10 000 francs. Amen. Chaque dimanche, d'ailleurs, j'ai pris la résolution de plus donner des miettes au Seigneur. Qui est riche, qui veut t'enrichir, peut-être tu pleures de Dieu. Il a des besoins, tu ne peux pas satisfaire les besoins de Dieu. Tu veux lui satisfaire tes besoins. Mais les satisfaire comment? Il va t'enrichir comment? Quand Dieu souffre, quand Dieu pleure, quand Dieu lui-même il a des problèmes, il gémit, quand Dieu lui-même il a des besoins, ça ne te dit rien. Mais il va dire aussi, quand on te dit qu'il a des besoins, ça va rien me dire aussi. Il y en a qui attendent toujours cotisation, cotisation. Ils sont bénis. Dieu leur donne en abondance. Mais pour donner au Seigneur, c'est difficile. Et ceux qui donnent, ils s'en prennent à eux. Ce matin, aime le Seigneur. Démontre ton amour par des actes qui vont dans sa maison. Inscris dans son lit de souvenirs. Change de manière de donner à Dieu. Change ta mentalité. Que donner devienne un style de vie dans ta vie. Alléluia. Donner à Dieu est un style de vie. J'aime donner à Dieu. J'aime donner. Et quand tu donnes, la main qui donne n'est jamais vide. La main qui sème n'est jamais vide. Il ne peut pas recevoir, recevoir. Ils ne sont pas satisfaits. Il faut qu'on leur donne seulement. Non. Donne à Dieu pour avoir le secret de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là pour avec moi. Amen. Premier message du mois. Ton degré d'amour et son expression dépend de la profondeur du lieu, de l'ampleur, de la pertinence de la dette qui t'est remise. Alléluia. Tu n'as pas les moyens de payer la dette et on t'a remis la dette. Maintenant, quelle serait ton attitude envers celui qui t'a remis la dette? Tu dois l'aimer. Alléluia. Il t'a sorti des lieux profonds. Tu viens de loin. Dieu, il te garde encore. Quel chef d'entreprise peut maintenir quelqu'un dans son entreprise s'il n'a plus besoin de lui? Chef d'entreprise, dans une société, il est le patron. Et puis il te garde. Malgré ce que tu es, c'est parce qu'il t'aime. Dieu te garde en vie parce qu'il t'aime. Il veut encore que tu vives. Mais si tu veux que tes jours se prolongent sur la terre, pose des âmes comme Ézéchias. Inscris dans le livre de souvenirs de Dieu. Apprends à donner au-delà. Ne sois pas habitué à donner les miettes au Seigneur. Donne en abondance. Tu vas récolter en abondance. Amen. Cette année, j'ai décidé de ne plus donner les miettes au Seigneur. Mon offrande chaque dimanche, ça peut être en dessous de 10 000 francs. La décision que j'ai prise. Vous m'entendez bien ce matin? Et Dieu me bénira. Et Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Dieu attend de toi une démonstration de ton amour. Dieu veut aller le plus loin possible avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas de limite. Vis une vie sans limite. Que tes limites, que les limites, comment on peut dire là? Étant des limites, vis une vie sans limite, une femme sans limite, un homme sans limite, sans aucune limitation, va au-delà des limites aujourd'hui. Étant des limites, étant des cordes, déploie tes cordes. Bientôt, une saison qui arrive. C'est la saison de la grande moisson. Élargis tes limites. Tu n'as élargi que gagner. Sois dans la capacité de recevoir en abondance. Alléluia. Ce matin, étends tes limites. Dieu veut aller le plus loin possible avec toi.
Dieu veut que tu vives. Alléluia. Dieu te garde dans sa société, dans son entreprise. Il te veut utile. Tu as du prix à ses yeux. C'est pourquoi il te garde. Et ce chef d'entreprise qui te garde, il dit ce matin, étends tes limites. En 2021, ne limite pas Dieu. Ne le mets pas dans une tour d'ivoire, le Saint-Esprit. Ne l'empêche pas, ne le canalise pas. Laisse-le agir au-delà de tes limites. Alléluia. Si tu fais commerce, ne te limite pas. J'ai une petite table au marché. Ou bien j'ai ma petite table devant ma porte. Quitte ta porte. Élargis les portes. Trouve un magasin plus grand. Déploie tes tentes. Élargis tes tentes. Dans les quartiers, ici à Yopougon, tu as le Kodjo, tu as Boubondoumé, tu as Poète, tu es partout. Tu as des employés, des travailleurs, deviens patron, deviens leader, crée des emplois et tant de limites que ton entreprise prospère. Que tu embauches les jeunes gens. Et tant de limites cette année 2021. C'est l'année de la grande moisson, de l'abondance, de la prospérité. Alléluia. Et tant de limites. Et tant de limites. Ne te laisse pas limiter dans ton esprit. Parce que tout commence dans l'esprit de l'homme. Dans ta mentalité. Et une mentalité nouvelle. Une mentalité de vainqueur. Une mentalité qui élargit ses limites. Alléluia. Qui élargit tes tentes. Ce matin, comprends que 2021, c'est ton année. Alléluia. C'est ton année. 2021, ça n'a pas passé. Que tu n'aies vu la gloire de Dieu. Ça n'a pas passé. Si ça passe, en tout cas, c'est que c'est pas Dieu. Ça n'a pas passé. Mariage n'a pas dépassé 2021. Dis amen. N'a pas dépassé ça. Au moins, tu feras fiancé quelque part. Au moins, tu t'as relié quelque part. Mais tu n'as pas la suivre, c'est de ton. Non, c'est fini. Est-ce que le saint de ton est fini au nom de Jésus-Christ? Je pensais que tu allais venir maintenant pour dire, cette parole-là, c'est pour moi. Hein? Alléluia. Tu as des affaires. Que Dieu dirige tes affaires. Que Dieu soit au devant de tes affaires. Dieu fait des affaires. Jésus-Christ a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Le mot affaire, là, c'est lui qui a prononcé premièrement. Il s'occupe de ses affaires de son Père. Dieu est un Dieu d'affaires. Ne délivre pas un salaire de misère. Mon salaire, chaque fois j'apprends un salaire. Regardez ce qui entreprend. Dieu a dit, dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Alléluia. Entreprends. Ne te limite pas. Ceux qui entreprennent, ils ont des moyens. Petite entreprise, moyenne entreprise. Ce que eux, ils comptent le jour, c'est là que toi, tu comptes le mois. Si lui, il a 200 000 francs par jour, par son commerce, dans le mois, il a combien? Il compte des millions. Et donc, tu as un salaire. Et tant tes limites, entreprends, fructifie ce que Dieu te donne, en créant. Année 2021, ce n'est pas année de chômage. Vous m'entendez bien? Ce n'est pas année de chômage, c'est les parasites qui chôment. Et des idées claires, pour ne pas te fatiguer, tu es devenu doyen, tu dois ouvrir un taxi. Je te regarde maintenant. Ce n'est pas ta place. Qui j'ai lié au nom de Jésus-Christ. Entreprends. Que Dieu nous aide. Quand on devient doyen, il y a des travaux qu'on ne fait plus. Vous m'entendez bien? Il y a des travaux qu'on ne fait plus quand on devient doyen. Ce n'est pas moi, doyen, pour ça que je m'arrête. Pendant toute la nuit, vigile. Toute la nuit, vigile. Et puis quand quelqu'un dit, dort, moi je veille. Quand je veille de la maison de Dieu, quand tu veilles comme ça, tu dis, gardez-vous. C'est vrai. Non!
ne sais plus au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Comment combien? Comment combien? Et puis c'est la mendicité même qui s'installe. Quand il va dans les banques, les gens viennent déposer des millions, les vigiles demandent 500 francs. C'est pas le même. C'est pas le travail ça. Dis amen maintenant. Quitte dans ça, au nom de Jésus-Christ. C'est pas ton billet, 2021 là. Passe un concours, tu vas réussir. Alléluia. Et puis si ça ne marche pas le concours, entreprends. Crée quelque chose. Organisez-vous en jeunesse ou bien petit groupe. Entreprenez, vous allez voir la gloire du mois de décembre. Alléluia. Voici Gérard qui est là qui me regarde. Allez voir Gérard, vous allez pouvoir voir comment il compte l'argent. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce qu'il y a un chef qui a porté chaud des rois aujourd'hui. Il est devenu comme un roi. Il ne marche plus maintenant. Année 2021, ce n'est pas l'année pour que si un coup, tu sois dans les rues de Pougon. Marchez jusqu'à chercher les rues de Pougon. Il est marché maintenant. Il marche. Que Dieu nous aide. Alléluia. 2021 là, paresse est terminée. Il y a trois images que tu dois garder. L'apôtre dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Sois un soldat. Amen. Sois un combattant. Lutte pour ta destinée. Vous pensez que la destinée se met en marche ou bien en place automatiquement? Même si tu as fait des promesses, ces promesses-là ne vont pas se réaliser comme ça de manière automatique. Même les prophéties que tu reçois ont besoin que tu combattes comme un soldat et que tu amènes tes prophéties à la réalisation. Lutte pour ta destinée. Jacob, il n'est pas resté comme ça. Même on a eu des promesses, il a eu des paroles, on l'a béni. On va te bénir, on va faire tout, mais il faut lutter avec l'ange. Lutte avec Dieu et les hommes. Lutte. Nous devons paresseux pour attendre les choses. Cette année-là, lève-toi, sois un soldat. Amen. Deuxième image, sois un athlète. Cours avec les piétons. Cours avec les chevaux. Ne te laisse pas dévancer. Aie une jalousie saine en toi. Tes amis avant, toi tu es en arrière. Non! Et la jalousie sert. La concurrence sert. Ne pas laisser les gens te dépasser. Soit leader, soit devant. Alléluia. Sois la tête. Et dans la queue. Deviens la tête. Deviens la tête. Au nom de Jésus-Christ. Tu es né leader. Tu n'es pas né accompagnateur. Tu vas pas accompagner les hommes sur la terre là que Dieu t'a créé. Travail. Troisième image, le laboureur. Travail. Travail de tes mains. Sois courageux. Et tu vas récolter le fruit. Si tu es un soldat, si tu es un athlète, tu auras une couronne. Tu vas récolter le fruit. Dieu veut aller le plus loin possible avec toi en cette année 2021. L'année d'ouverture des grands chantiers de l'Éternel. L'année d'achèvement. L'année des commencements nouveaux. Alléluia. L'année des réalisations. L'année des restitutions. Dans tous les domaines. L'année du repositionnement avec le Seigneur. Alléluia. Enfin, j'aimerais te dire, pour terminer, même si une mère abandonne ses enfants, Dieu ne t'oublie pas. Même si humainement parlant, il y a des mères qui abandonnent les enfants, mais Dieu n'abandonne jamais son enfant. Dieu n'oublie jamais son enfant. Ce matin, Dieu veut aller le plus loin possible avec toi. Dieu te dit, c'est lui qui te parle, hein? Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir atteint le but pour lequel tu t'es créé. Amen. Tu m'entends bien ce matin?
tu ne quitteras pas ce monde sans avoir atteint le but pour lequel tu as été créé. Tu ne mourras pas sans que ton étoile ait brillé dans tous ses éclats. Le temps que tombe, c'est celle qui a brillé. Et tu as brillé où? Et tu vas tomber. Tu ne tomberas pas. Ton étoile brillera. Tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras ta destinée prophétique avant de quitter ce monde. Dieu ira le plus loin possible à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen.